transaction qu'a fait dans le pays a été faite en goût d'après un arrêté présidentiel qui peut date 1er mars. La décision s'apprend pour stabiliser taux changement selon le gouvernement. À l'étranger, pour première fois depuis la guerre Vietnam, il y a un porte-avions américain USS Carl Vinson accosté dans le port vietnamien lundi 5 mars 2018. Là. Téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'édition Nouvelles-A. Pourquoi il est là, c'est le moment pour nous recevoir collaborateur Wilner Polidor pour conditions météorologiques. Journée, nous invitons à suivre. Salut à tous et à toutes, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui pour prévision météorologique journée qui s'est toujours en côtoisie UHM qui c'est unité hydrométéorologique pays d'Haïti de concert avec OFNA qui c'est Office national aviation civile et puis télévision nationale d'Haïti. Nous sommes en début de semaine, nous souhaitons avec chaque monde une bonne semaine avec la météo. On a vu comment la situation est sous bassin Caraïbes là. Nous avons une zone de basse pression qui était très intense, qui a commencé à éloigner le pays avec fond qui trouvait sous partie nord-est Porto Rico. Mais pour Caraïbes centrale, c'est vraiment une masse d'air sec et stable qui commence progressivement à envahir Caraïbes centrale là, dont Haïti. Ça veut dire que nous commençons la semaine avec une période de beau temps. On a eu un temps sensible là pour, je dis, sous différents départements. Nous en début d'après-midi, nous avons un temps qui est ensoleillé sous tout le pays. Ça veut dire tout département concerné par soleil avec un vent qui a soufflé qui est très léger. Mais en la fin d'après-midi, il y a quelques développements nuageux et nuages ça a quelques petits averses isolés. Ce n'est pas gros la pluie sur quelques départements. Les départements qui a concerné, c'est département nord-ouest, nord, nord-est, grand-est, sud-est en début de soirée et au cours de la nuit. Mais c'est des averses isolées qui ont sous le département Silayo. Pour capitale avec zone qui environne, c'est un capital qui a joué de beau temps pour aujourd'hui. En début d'après-midi, c'est bel soleil avec un vent qui a soufflé très léger. Mais avec quelques développements nuages, ce n'est pas gros nuages qui cabaillent quelques petits averses isolées sous tête relief Port-au-Prince avec zone qui environne pour début de soirée et au cours de nuit. Là. Situation qui est plus compliquée à celle-là, mais à nous avons une mer qui est vraiment très forte sous côte nord parce que vague a monté jusqu'à 25 pieds. Et c'est pour ça, opération de cabotage interdit sous côte nord, pays d'Haïti. N'a pas répété, UHM de concert avec secrétariat permanent Cap Géris avec Desas et puis Semana, yo interdit toute opération de cabotage sous région nord pays d'Haïti parce que la mer est agitée et la rive est très forte et la rive jusqu'à 4 à 6 mètres. Ça veut dire, capitaine, yo n'y a pas besoin de naviguer parce que opération de cabotage yo interdit. Mais pour côté sud, c'est un mer qui a agité à faute et Gouvre de la Gonave, la mer à la peu agité. Je dis à température à la monter jusqu'à 32 degrés Celsius et pour page astronomique, nous avons gagné un soleil qui a couché jeudi à 5h59 minutes. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous avons croisé Pita pour une autre page météorologique. Merci Wilner Polidor. Jean t'a annoncé le titre. Dans un arrêté qui portait date 28 février 2018, le gouvernement Moïse Lafontaine fait obligation pour toute transaction commerciale qu'a faite dans le pays, faite dans la monnaie nationale là, qui c'est good. Décision ça a entré dans 4G fort équipe en place là, fait pour assurer une stabilité économique dans le pays. Yon papier avec Anne-Marguerite Auguste. Arrêté ça, qui gagne 10 articles la donne avec plusieurs considérants. Exigé pour toute transaction commerciale qu'a faite sur territoire haïtien faite dans monnaie pays qui c'est good. Autorité yo di yo prend décision ça à cause l'autre monnaie qu'a circulé dans pays a affecté coût produit yo. Dans sens ça l'état qui gagne responsabilité pour protéger intérêt collectivité yo à garantir bien-être population an, prend décision ça pour veiller sur bon fonctionnement mécanisme économie haïtienne nan, dans l'idée pour prévenir toute crise ak mauvaise interprétation contre monnaie nationale là. Nan même arrêté ça dirigeant yo di li important pour prévenir et puis sanctionner toute mauvaise pratique commerciale kap contribuer pour détériorer pouvoir d'achat famille haïtienne yo et puis appauvrir population haïtienne nan. Dans l'article 6 arrêté ça, l'État mandé tout citoyen pour dénoncer et porter plainte contre tout le monde et entreprise qui a réclamé paiement dans monnaie étrangère au soit équivalent li en goud.
Le yo fin fait une transaction commerciale au choix acheter yo bien ou service. Décision ça, d'après autorité yo, c'est pour permettre goud la reprendre valeur devant l'autre monnaie étrangère yo, à créer une stabilité économique sûre dans le pays ya. Pour assurer suivi, application, disposition sa yo, autorité yo mette campé un comité qui gen la donne, représentant Banque Centrale, Ministère Économie et Finance, Ministère Commerce et Industrie, kap gen nan tête li yon kad primature, kap gen pour présenter yon rapport périodique ba chef gouvernement sous impact mezu sa yo. Comité a, après travail sa yo, ap gen pour faire recommandations nécessaires pour pi bon application mezu sa yo. Dans le cadre d'un conseil ministre 28 février 2018 passé, l'administration Moïse et le gouvernement Lafontan prend décision pour toute transaction commerciale faite en route dans le pays. Premier ministre Jacques Lafontan, qui a été avec le ministre économie et finance, Judalix Patrick Salomon, ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény, et gouverneur Banque Centrale Jean-Badin Dubois, expliqué vendredi 2 mars, il a pris des pour faciliter la stabilité économique dans le pays. Il y a un extrait dans le micro Saint-Croix-Vaquier. Loi pays, hein? Monnaie nationale, là, c'est goud liye. On l'autre bagay encore, gouvernement de la République, là, toute action que li prend dans le sens intérêt peuple. Là. C'est dans le sens ça. Après plusieurs mois de travail, de réflexion, le gouvernement prend décision responsable pour que toute transaction financière qui est faite dans la République d'Haïti pour être faite en good. Monsieur Zeda, on peut prendre un petit exemple. On moun pral non bal obligé à changer cob pour qu'il y ait un dollar américain pour al non bal. On moun nou besoin non spectacle dollar américain. Ou besoin non série de restaurants dollar américain. Ti classe moyenne là. Lèl gen pou paye loyer kayli chaque mois faut la pat la rue pour joindre dollar américain parce que sans goud li touche pour le ka paye loyer kayli on moun nou besoin acheter un terrain oui dollar américain gen de moun même la vann service avec un mécanicien. Il dit, ah, c'est en US pour payer. Certains magasins prix affiché en dollars. Tandis que grande majorité peuple haïtien revenu yo c'est en goud liye. Tout fonctionnaire l'état nou yo, policier, professeur l'école, tout docteur cap travail dans santé publique, infirmière, auxiliaire, petit personnel, tout c'est en goud yo touché. Donc son façon pour me dire nous que décision ça que nous prenons c'est l'aller dans sens intérêt grande majorité haïtien. Toujours sous même dossier à ministre économie et finance l'ange Judalix Patrick Salomon à gouverneur Banque Centrale Jean-Badin Dubois fait connaître décision pour toute transaction commerciale faite en goud entrer dans cadre objectif pour mettre l'ordre dans marché taux changeant. Ministre commerce et industrie Pierre-Marie Dumény a annoncé toutes mesures nécessaires à prendre pour toute institution et banque commerciale respecter décision ça. Nous invitons à suivre un bout dans déclaration yo. Article 6 constitution dit comme ça. Monnaie nationale là, c'est la goud, c'est goud que lié. Malheureusement, nous avons certaines institutions de la place qui ont affiché prix. Je voulais parler de certains restaurants, certains hôtels qui ont affiché prix en dollars.
au niveau du ministère du Commerce, rôle nous, avec tout gouvernement, c'est accompagner la population dans la quête de mieux-être. Nous, en service et au service de la population, nous là pour nous protéger l'intérêt de la population. C'est ça que fait affichage puis en goût de l'an qui ton sorte de caillou l'an soulier nous, journée jeudi, hein, nous décider de retirer caillou ça et nous prend ou appliquer pour arrêter pour nous dire que désormais tout prio sur toute l'étendue du territoire de la République faut y afficher en goud. Parce que les priants n'est pas affiché en goud, ça crée ou sorte ça relais ou sorte de inflation ou poussé inflationniste au Kéden, ça crée ou pression sous Goudlan. En ce sens, il faut me rappeler nous tous, Haïti c'est un rare pays, ok, côté qui gagne double circulation de monnaie, à savoir la goud et le dollar. Au niveau du ministère du Commerce, on va tout mettre en œuvre pour que, ok, appliquer ça, arrêter ça, appliquer dans son intégralité. Nous gagnons brigade que nous allons déployer à travers tout le territoire national pour nous faire respecter mesure ça. L'un gagne d'acadie exigence de payer en dollars son problème lié son situation d'insécurité parce que nous oblige à chercher dollars dans la rue hein, et son problème parce que d'acadou priant ou vin gagner en inflation naturelle parce que même l'œil affiché priant en dollars l'on pral acheter dollars ou gon différence de change qu'on pral payer sous li et ainsi de suite. Donc l'idée meilleur bagage là c'est que nous gon seule monnaie qui appliqué mais il demeure certain que soit pas tout besoin de dollars ou a besoin parce que ces principes là c'est que sous besoin de dollars pour parti il doit accessible mais si son transaction a fait sous territoire pas aucune raison pour besoin l'autre monnaie qui est en cours sous territoire et que constitution a dit son seul monnaie gain. Gouverneur Banque République d'Haïti BRH Jean-Badin Dubois, c'est les décisions ça gouvernement prend pour contrôler transactions financières. De l'autre côté, gouverneur Banque Centrale là, Jean-Badin Dubois, mandé pour toute institution financière yo bay crédit yo en goud. Jean-Badin Dubois dans micro Saint-Croix Paki. La Banque Centrale fait un pile effort et notamment au niveau des cartes, côté que le mandé que toute carte que ce soit carte de débit et carte de crédit que libellé en goud et que toute transaction yo faite en goud. La Banque Centrale mandé tout que institution financière yo que bay crédit à la consommation que son crédit en goud que lié parce que le pas fait trop sens que chaque individu chaque client chaque jour bon Dieu mettez pour la chercher un dollar pour le payer en prêt ou bien pour le payer en carte de crédit mais cependant il se trouve que depuis que nous rentrons en fait dans taux de change flexible parce que nous pas grand taux de change fixe en Haïti nous avons taux de change flexible depuis que nous rentrons dans taux de change flexible là il se trouve que la goud pratiquement vient en monnaie de second ordre et la monnaie qui est utilisée c'est le dollar qui est utilisé et alors que majorité haïtien a touché en goud donc il est fondamental que yo ramener les pendules à l'heure de façon à ce que toutes les prix affichés en goud. Le décret de 1989, ok, c'est un décret qui autorisait que tout le monde gagne, en fait, que banque a ouvert des comptes en dollars pour n'importe qui monde. Donc, ça veut dire que mon a toujours gagné un compte en dollars. Dans des créas, il bien dit les transactions commerciales. Mais le mal font dépôt sous compte en dollars, moi. Son dépôt relié, c'est pour une transaction commerciale. C'est l'homme par l'achat avec le commercial. Ça veut dire que ça, c'est pour dire que cette histoire de dire que pas un compte en dollars encore dans le système, non. Dès le 1er janvier, moi, je dis encore, ok, ça. Ok, circulaire là, pas mettez en question. Ça, c'est le premier bagage, je veux que vous le clair pour tout le monde. Deuxième bagage, pour me dire que la loi sur les bureaux de change, la loi sur les bureaux de change, sur les agents de change, dit clairement que tout le monde qui reçoit transfert, il est supposé recevoir comme lui, dans la monnaie que vous voulez transférer pour lui. Ça veut dire qui ça? C'est le monde qui a choisi dans qui monnaie que y a payé et c'est on décret loi qui dit ça. OK,
Ça me pense que c'est important pour le clair, pour que nous ne pas mélanger banane avec orange, ok, pour ne pas faire un amalgame. Je pense que c'est extrêmement important que nous clarifions tout bagaille ça. Gouvernement sous route pour accorder un délai à propriété magasin yo suite à la publication arrêté présidentiel dans date 28 février passé à qui mandé pour toute transaction commerciale qu'a fait sur territoire national là ta fait en goud. Paul parole en présidence là Lucien Jura expliqué économie haïtienne a tiré plusieurs avantages dans décision ça pour le mettre dans campé loin circulation l'agent suspect sous marché à. Nous invite au suivre yon bout dans explication. Haïti c'est seul pays journée jodian côté que nous jouons la double circulation monétaire soit aux États-Unis kounyan ou soit en Europe en Haïti kou rive goud ou pa ka fè avec li fòk ou konverti kòb ou gen en dollar soit en Europe pou te met gen dollar fòk ou konverti en euro alors qu'en Haïti nous gen deux monnaies qui a chevauché ce qui c'est une grave anomalie et eh bien l'état pour corriger situation ça li vini avec arrêter ça côté que dorénavant toute transaction qu'a fait que ce soit dans restaurant dans magasin quel que soit côté aller yo et eh bien c'est en gros que facture yo doit venir joindre nous ou même pour payer et non en dollars. Est-ce que ça veut dire on monde pas doit gagner compte en dollars? Non, c'est pas ça du tout. Ou qu'a toujours gagner compte en dollars mais de pour pral acheter, de pour pral payer pour service en Haïti journée aujourd'hui hein, à partir de arrêter ça, faut qu'on doit payer dans caisse là, c'est good li. Est-ce qu'on connaît journée aujourd'hui on a parlé deux jours après publication arrêté hein, jusqu'à présent gagne des magasins qui toujours affiché prix en dollars. Tout à fait, et l'État conscient de ça parce que même le arrêté en sortie, c'est pas du jour au lendemain que il y a des machines qui étaient programmées en dollars pour facturation, yo, etc. Ils ont pris automatiquement, ils ont même converti, ils ont fait changement qu'il faut yo. Pour recalibrer machine ça. Yo, l'État a accordé un délai à propriétaire magasin, mais non arrêté. Un délai de combien de jours? On arrêté, pas capable de traiter de questions ça. Un circulaire qui doit sortir incessamment, certainement en début de semaine prochaine, qui pourra fixer échéance pour que magasin ça yo, yo même, yo recalibré, yo reprogrammé machine yo, et de telle sorte que à partir d'une date X donnée, toute transaction qu'a fait dans le pays a yo tout net yo capable facturer yo et payer yo en goud. Et qui avantage j'en disposition qu'on ça gagne pour état santé et goud là par rapport à dollar là qui ça va changer. Parmi avantages yo gagne tout d'abord diminution de risque de gagne spéculation parce que la plupart du temps qui sont qu'on constater moun yo plutôt changer kob yo goud yo en dollar yo stocker dollar là et puis ça qu'on provoquer rareté sous marché. Gagne également risque que gagne souvent inflation avec mesure ça son moyen pour capable contourner pour que gagne plus sérénité au niveau du système là tout et youn nan gros avantage et mesure ça décision ça c'est que nan taux de change nan commerce informel qui konn gagne dans la rue souvent li ba lieu à ça nous relé des transactions douteuses gagne l'argent sale qui eux même konn transiter par commerce échange qui gagne dans la rue c'est pral yon moyen entre autres pour que nous réduit risque de circulation de fonds douteux de l'agent sale qui souvent qu'on profiter de sa gain comme réalité dans la rue hein, pour que yo envahi marché. L'autre information dans le journal ça leadership et développement durable c'est sous thème ça responsable jeune chambre internationale Haïti réaliser une conférence débat vendredi 2 mars là dans Pétionville. Activité ça qui réunit plusieurs dizaines de jeunes dans tes occasions pour responsable JCIO brasser l'idée à jeune ça yo sous nécessité qui gagne pour renforcer capacité pour mener action qui plus efficace dans environnement y a évolué. D'après directeur formation nationale non jeune chambre internationale Haïti ya Jennifer du Joseph, initiative ça doit permettre jeune yo gain bon joint influence sous communauté yo. Nous invite au suivre yon extrait. Aujourd'hui a c'est garder dans qui mesure nous capable mobiliser ensemble de jeunes qui ont une implication dans association, dans organisation qui notamment ces organisations locales membres JC Haïti ou gagne qui un certain nombre qui dans l'autre organisation tout qui vini pour nous capable garder dans qui mesure nous capable
développer, renforcer capacité, renforcer compétences, pour être capable d'arriver à mener une action qui est plus efficace dans la communauté que l'organisation a évolué. Donc je dis à là, nous organiser l'Académie de leadership, là, c'est la troisième fois que nous organisons. Nous organisons, c'est dans l'optique ça, dans l'optique pour nous capables de créer un véritable espace de formation, de débat critique et ouvert ensemble à jeunes, d'échange tout pour nous réfléchir ensemble, mais pour tout bénéficier de quelques cours, de quelques interventions. Thème année ça, c'est leadership et développement durable. Gardez dans qui mesure vous-même comme leader, vous êtes capable d'avoir une bonne influence dans la communauté, mais tout influence et dans l'organisation à diriger, vous êtes capable de gérer le bien. Mais gardez tout dans qui mesure, vous êtes capable de faire en sorte que l'action y a mené, que l'action y a mené, l'y prend en compte le long terme. Et c'est ça qui est intéressant, qui fait que je dis à la nous organiser l'activité. Responsable entreprise Solar Park fait ministère éducation nationale et formation professionnelle cadeau 1000 valises. Valises ça yo fait avec tout panneau soleil, batterie et lampe selon responsable ministère éducation nationale yo qui doit permettre si moun ki poko gen accès à courant électrique joindre lumière pour étudier la nuit. John Herbie Casseus dans reportage. Chaque grain dans valise ça yo gen un panneau solaire, yon batterie rechargeable, yon ti lampe ak yon port USB pour charger téléphone. Il prend environ 2 heures pour recharger. Charge qui n'est pas trivalisé, capable de durer 4 heures de temps, selon responsable entreprise Solar Parkland, Evariste Akoumian. L'énergie emmagasinée tout le long de la journée, lorsque l'enfant rentre des cours le soir, avec à l'aide d'une lampe LED qui est à l'intérieur du sac, il suffit de brancher cette lampe LED sur un port USB qui est à l'intérieur du sac et l'enfant peut étudier et faire ses devoirs. C'est déjà commercialisé, mais nous, notre politique de vente des sacs, c'est pas le parent final. Non. Notre politique, c'est quoi? Notre politique, c'est de voir l'UNESCO, c'est de voir l'UNICEF, c'est de voir les ONG, c'est de voir les institutions, c'est de voir d'autres organes pour pouvoir acheter ces sacs-là et redonner aux enfants gratuitement. Gratuitement. Nous, ça, c'est notre politique, ça. C'est pourquoi nous sommes venus en Haïti, c'est un geste fort, pour que vraiment d'autres ONG, d'autres organisations puissent voir, pour venir en aide aux enfants haïtiens. Haïti, c'est un pays qui bénéficie du premier stock valide sur la PAC. Pour visiter le ministre de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, là, Nadine Henry, fait qu'on est, le ministère a déjà mis sous pied un plan de distribution pour permettre à tout le monde qui peut gagner accès à courant électrique dans le pays, à bénéficier de la valise. Donc ça, que Solar Park Banois pral permettre nous justement mettre correction justement dans difficulté ça ti moun nou yo te gen et de justement la pide nous avancer vers ça nous relé ça nous toujours relé qualité de l'apprentissage qu'a poursuivre en soirée la caille ti moun yo batterie ak panneau ki nan valise sa yo capable dire 5 l'année selon directeur général Solar Park lan Evariste Akoumian. Solar Park, c'est un compagnie qui sortit dans le pays Côte d'Ivoire en Afrique. Merci Arbi ak Toussaint. Direction générale Office national assurance vieillesse ONA organisé vendredi 2 mars là, une cérémonie pour mettre bout à séminaire formation pour agent sécurité ONA yo. Séminaire ça déroulé sous comportement agent sa droit gagné ak façon pour manier zam. Nous invitons suivre. 40 agents, c'est quantité travailler dans l'institution ça qui recevoir formation sur sécurité. Office national assurance vieillesse organisé dans local li une cérémonie pour mettre bouc à séminaire formation ça sur comportement à comment pour manier zam. Directeur général ONA Kestel Pierre remercie FIM International ça Canadian Peace and Security Officer Training Association pour travail il fait pendant une semaine à agent ça yo. Pendant li déclaré, c'est un engagement administration Moïse à gouvernement Lafontaine prend pour sécuriser institution yo. L'ONA vient d'ouvrir cette semaine une formation ciblée de haut niveau afin de mettre l'institution au standard de qualité de la prise en charge efficace des différents niveaux de la chaîne sécuritaire. Il s'agit d'une avancée majeure
qu'il nous appartient aujourd'hui de consolider au vu des enjeux de société qui se cachent derrière le développement de la protection sociale en général et de la mouvance de ce secteur en particulier. Tout est déjà mis en œuvre pour qu'un suivi soit assuré et que les notions inculquées affectent le comportement de tous les agents bénéficiaires. Ce séminaire de formation devrait être dupliqué au bénéfice de l'ensemble des agents de l'ONA et à terme, il est appelé à avoir un impact sur le fonctionnement même de l'institution. Léonel Montpremier, c'est une bénéficiaire formation ça. Li remercier toute autorité yo pour initiative ça qui permet yo former tête yo plus et promettre pour le travail pour mettre ça yo apprendre dans le service institution. Jodia, on a formé pour travailler la carrière. On a donné une formation à travers tête sota pour mal faire sécurité à n'importe qui pays avec tout norme international. C'est peut-être ça. Je remercie encore la direction générale là, qui fait une belle initiative. Je remercie M. Thurier qui est venu avec le programme pour nous en Haïti. Mais celle ça que je vais parler pour que nous finissions une formation là et puis après je vais moyen pour mettre en pratique. Formation agent ONA sous sécurité, c'est une initiative qui visait tout agent institution dans 10 départements géographiques pays. Après formation ça, agent sécurité yo bénéficie un certificat international qui permet yo travail dans domaine sécurité tout partout. Regroupement en parti politique Entente nationale pour stabilité et progrès changer nom pour qu'on y a annoncé Dialogue national pour stabilité et progrès. Décision ça a venu d'après responsable regroupement ça pour différencier avec divers autres partis qui presque gen même nom à clé. C'est en démarche tout d'après Jean-Renaud Jean-Pierre pour supporter initiative chef l'État pour mettre tout secteur chita sous même table. Dialogue national pour stabilité et progrès regroupe 26 partis avec organisation politique d'après responsable. Nous invitons à suivre un extrait. Nous avons décidé de remplacer notre forum Entente nationale pour la stabilité et le progrès par Dialogue national pour la stabilité et le progrès, visant à soutenir la présidence dans sa quête acharnée pour faire progresser le pays et le placer enfin sur le chemin du développement durable. Disons-le, cet amour indicible et cette passion manifestée par le président Jovenel Moïse pour faire avancer notre cher Haïti mérite d'être encouragé et soutenu par toutes les forces vives et conscientes de la nation. Aujourd'hui, il est un impératif de dialoguer avec tous les secteurs de la vie nationale, mais en tirant très humblement les leçons de notre passé récent et surtout de l'expérience des pays frères de l'Amérique latine qui se sont engagés à regrouper leurs forces et à dialoguer avec toutes les forces de leur pays. Nous croyons fermement que le moment est venu pour le grand réveil national parce que l'expérience que nous venons de vivre dans le pays au cours de ces dernières années nous apprend que la polarisation actuelle risque de nous jeter tous dans le précipice et que nous ne pouvons plus continuer à vouloir vivre dans ce chaos social marqué par l'exclusion et le rejet systématique de l'autre. Voilà, amis téléspectateurs, c'est le moment pour nous observer un coup de pause dans le journal. Restez branchés, nous retournons dans un petit moment. Dans l'actualité internationale, pour la première fois depuis la guerre Vietnam, il y a un porte-avions américain USS Carl Vinson accosté dans le port vietnamien le 17 mars 2018. Là. Il y a une escale à la fois symbolique et puis stratégique qui fait dans une période de tension territoriale en Pékin et voisin Lyo dans la mer Chine méridionale. Là. Nous invitons à suivre un reportage. Pour la première fois depuis la fin de la guerre Vietnam, ça a plus passé 40 ans.
Un porte-avions marin américain accosté dans le port vietnamien Da Nang lundi 5 mars 2018 là. Objectif de pays ennemi d'après une analyse politique, c'est barrer monter en puissance la Chine dans la région. Terms of security. Dans le domaine de sécurité, États-Unis et Vietnamiens ont intérêt tout de pour barrer la Chine. Ils ont considéré différents territoriales entre Chine et Vietnam. Mais le Vietnam n'a pas d'intention pour autant venir États-Unis. C'est plutôt une stratégie protection, équilibre, puissance. Il n'est pas pour autant l'intention de devenir un allié des États-Unis. Diplomatie vietnamienne a qualifié visite ça comme une visite amitié entre deux pays qui pourra contribuer pour gagner bon genre la paix, stabilité, sécurité, coopération et développement dans la région. États-Unis bon côté pas partager conviction ça côté le décrit visite 4 jours US Carl Vinson à contingent là qui gagne 5000 marins avec aviateur à Bali comme une occasion historique qui visait développer une relation amitié. Porte-avions américain accompagné avec bateau croisière Lake Champlain avec destroyer USS là Wayne E. Meyer, c'est plus gros présence militaire américaine dans pays là depuis guerre ça. Toujours dans cadre mission ça, une série activités à organiser dans programme n'a gain match basket avec football entre américains et vietnamiens et une visite orphelina avec plusieurs concerts prévoit tout. Dans le dossier sport, football, équipe Arkaya qui fait monter en première division bat Don Bosco Pétionville dans l'occasion 3e journée championnat national première division. Et puis à l'étranger, équipe FC Barcelone bat Atlético Madrid 1-0. Real Madrid grâce à Cristiano Ronaldo qui marque 2 goals bat Getafe 3-1. Toute transaction qu'a faite dans le pays a été faite en goût après un arrêté présidentiel qui peut date 1er mars. La décision s'apprend pour stabiliser taux changement selon le gouvernement. À l'étranger, pour première fois depuis la guerre Vietnam, il y a un porte-avion américain USS Carl Vinson accosté dans le port vietnamien lundi 5 mars 2018. La. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est la journal La Boute pour jeudi. Merci pour fidélité ou attention. Restez branchés, Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Bonne semaine, tout le monde.